Salut à tous, c'est Lassio et bienvenue aujourd'hui pour, vous le voyez par le titre, le mode devient pro. Ça faisait un moment que vous me le demandez et d'ailleurs j'ai eu un message sur mon Xbox juste avant de commencer l'enregistrement. Donc, par rapport au mode devient pro, quand est-ce que j'allais lancer un petit peu cette série? Et bien voilà les gars, c'est arrivé ce mode devient pro. Donc vous allez voir, ça va être un format avec des certaines coupures à certains moments. Donc essayez de rentabiliser un petit peu le temps pour pas faire non plus un épisode d'une trentaine, quarantaine de minutes. Ça serait beaucoup trop alors que parfois dans le match il se passe absolument rien. Par la même occasion, vous le voyez, alors là ici, je suis pas tout seul. Donc j'ai mon bouton aussi qui m'accompagne pour cet épisode. Donc on va voir si ça va être un bouton chanceux ou pas. Donc la vache quoi. Hey, il est énorme sincèrement. Il est énorme. C'est un Titanic. C'est... Bref. Alors, ensuite, vous le voyez également du côté de l'habillage. Donc, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Opacité du côté de l'habillage et de la webcam. Donc, c'est mon nouvel habillage pour les streams, etc. Est-ce qu'il va rester longtemps? Je ne sais pas. Mais j'essaie de trouver certaines formules pour les habillages. Ça fait toujours plaisir un petit peu changement. Et donc, par la suite, j'avais également un autre message à vous dire avant de lancer ce mode devient pro. N'hésitez pas à m'envoyer vos top 10 ou plutôt vos clips pour rentrer dans le top 10. Jusqu'à maintenant, ça va être un top 5. Donc voilà, je le lance rapido presto ici. Et ensuite, j'avais d'autres messages à vous faire, mais je pense que je vais faire une autre vidéo en à côté pour pouvoir vous parler de ces autres messages par rapport à des lives qu'il va y avoir et également une soirée spéciale thématique aussi où je ne serai pas tout seul et dont je voudrais vraiment voir un maximum de personne à être présent. Donc voilà, voilà, alors que mon téléphone me lâche pas, vous allez le voir un petit peu. C'est parce que je suis la NFL, hein. Donc j'ai les scores qui rentrent et voilà, j'ai pas pris le temps de couper la sonnerie. Donc allez, trêve de blabla les gars, trêve de blabla, on va passer aux choses sérieuses. On se lance directement dans ce mode devient pro. Petite coupure pour voir un petit peu à quoi mon joueur va ressembler. Et ensuite, vous allez voir, tout va s'enfiler par la suite. Donc allez, on se revoit à tout de suite. On fait les petits ajouts, donc aile droite, choix du numéro de chandail, le 97. Donc j'ai toujours porté le 97, même avec McDavid est le numéro, je portais le 97 les gars. Donc fabricant de jeu, peut-être pas, franc tireur, attaquant puissance, attaquant polyvalent. J'hésite, peut-être envie d'aller attaquant polyvalent. Je vais être capable de pouvoir effectuer quelques mises en échec, je sais pas, question de bousculer un peu les gens. Sinon, je sens que je vais pas faire grand-chose. Donc, peut-être faire franc-tireur, j'hésite entre franc-tireur et attaquant polyvalent. J'aimerais quand même marquer quelques filets. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, je vais rester attaquant polyvalent, finalement. On va rester attaquant polyvalent. Ensuite, un nombre de commentaires. On va pouvoir prendre Caron, bien sûr. Mais oui! Alors... Le gars qui est en train de virer fou. Donc cette fois-ci ça c'est fait. Donc on va pouvoir continuer la customisation. Donc on part directement avec notre joueur cette fois-ci. Donc modifier les infos générales. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà regardé. Non. On a juste choisi notre nom, notre numéro, etc. Donc on va pouvoir garder notre latéralité à gauche. Pour la taille 180 ça me semble plus juste. Pour le poids par contre, pour le poids, très bonne question. Très bonne question d'ailleurs pour le poids. Juste un moment, je le fais live en direct sur mon téléphone quoi. Un convertisseur, donc je voudrais avoir les kilos en livres s'il vous plaît. Kilos, livres, parfait. Donc 83 kilos, selon moi 83 kilos c'est peut-être pas ce que je veux. J'étais encore plus pesant que ça je crois. Donc par exemple 83 kilos qui nous donne les gars un 182 livres. Alors que moi pour l'occasion je vais mettre un chiffron quand même. Je suis davantage autour des 91 kilos, donc environ les 200 livres. Donc voilà. Ça paraît énorme mais la grandeur aide quand même un peu pour quelque chose. Je vais peut-être le remettre à 183 cm parce que je passe 180, je suis quand même une petite coche un petit peu plus grand. Moi j'ai toujours été comme ça, je sais pas pour vous, si lorsque vous créez votre joueur, vous essayez le plus possible de le mettre, disons, la même physionomie, tout ça, que vous-même, tout simplement. Je sais pas pour vous, mais moi c'est toujours quelque chose que j'essaie de soigner. J'aime ça, tout simplement. Donc bagarreur, rarement, je vais pas mettre...
jamais, mais rarement. Donc si je vois que ça me tente, je vais y aller. Donc janvier 1995, malheureusement les gars, ça donne un coup de vieux, le moment où tu achètes un NHL, tu te crées ton billet pro et là tu te dis merde, je peux même pas mettre mon année de naissance. Donc surtout si je veux jouer dans le junior comme présentement. Alors on va mettre bon ben ma vraie jour ma vraie journée de naissance, donc le 18 janvier, non pas 95, 93 en vrai, mais bon, c'est pas grave. La ville, donc ben, je vais aller mettre Rimouski, donc c'est un petit peu la ville le plus près de mon village, donc je viens de Québec, alors voilà. Donc, tout simplement, on doit se rendre complètement à la toute fin de la liste, donc allez. Donc j'aurais pu faire des coupures etc pour la création du personnage. J'ai hâte de voir, j'espère que vous allez aimer ce petit concept de coupure. Dites-le moi si vous n'appréciez pas quand même. Donc je vais pouvoir m'ajuster pour le prochain épisode. Donc là ici, premier épisode, comme je l'ai sans doute peut-être mentionné, je le répète quand même parce que j'ai pas fait l'intro. Donc au moment que je vous parle présentement. Alors oui, effectivement, cette série BioPro qui, voilà, ce premier épisode hors ligne, mais les prochains épisodes qui devraient être davantage des moments à partir de mes lives. Donc, affaire à suivre, grosse ambiance, gros potentiel, grosse idée. Donc, j'espère que ça va vous plaire, surtout. D'ailleurs, pas longtemps après, justement, m'avoir dit, bon, allez, j'enregistre le BioPro aujourd'hui. J'ai reçu un message, justement, sur mon Xbox, à savoir, bon, quand est-ce que tu vas faire le BioPro? Et de répondre maintenant. Donc voilà. Allez, changer d'apparence cette fois-ci. On va pouvoir regarder un petit peu justement pour la tête. Malheureusement, ça c'est un petit peu le moment un petit peu plus long. Donc étonnez-vous pas s'il y a une coupure right now. Donc je vais essayer quelques têtes et je vais essayer d'en prendre une qui est pas trop dégueu quand même. Donc là c'est impossible d'avoir une tête qui me ressemble parfaitement, mais au moins si je peux avoir quelque chose proche de la coupe de cheveux ou quoi que ce soit, je vais apprécier. Donc si je me trompe pas, la tête que j'avais choisie lors du moment où le jeu n'était pas encore sorti était complètement à la gauche. Donc à votre non, à votre gauche à vous aussi. Donc c'est juste ma main qui tombe à être à votre non, c'est ma main droite. Et à gauche, vous, ton droite, bas à gauche. On s'est compris. Donc, allez, les gens sont confus maintenant. Donc, c'est parfait. La confusion est réelle. Donc, je vais pouvoir choisir une tête en toute simplicité. Si je peux en trouver une, pas trop... Je voudrais avoir de l'aide. C'est drôle parce que des fois, tu choisis une tête, tu te dis, ah, celle-là va être pas mal. Là, tu la mets et t'es comme, non. Tu refuses la tête. Non, peut-être pas ici, peut-être ici. J'avais vraiment l'intuition que j'avais une tête complètement à ma gauche, je crois. Là. Non, là on s'écarte beaucoup trop. Ça s'en va dans n'importe quoi. Alors, on va revenir un petit peu. Je vais regarder un petit peu ici de ce côté. Peut-être plus au début, je crois. Non. Non plus. Ça pourrait passer. Ah, la fameuse tête. Je sais pas pour vous, est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous choisir une tête? Vous avez fait, non, moi je m'en bats les couilles, je choisis cette tête-là. Et puis, on va vivre avec. En fait, cette tête-là... On rajoute des lunettes et ça peut le faire. Donc on va y aller avec celle-ci. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, du côté des yeux, on pourrait mettre les yeux bleus clairs. Mais non. Noisette, les gars, noisette. Même marron, en fait. Voilà, marron. Pour la barbe, moi, sincèrement, je porte pas la barbe. Bon, déjà, je suis pas capable, mais... mais je peux quand même m'amuser pour les séries éliminatoires ou quoi que ce soit. Allez, une bonne barbe longue quand même pour les séries. Donc, style de barbe. Longueur de la barbe actuelle. Alors nous, on va sincèrement dans le rasé de près. On va peut-être regarder un petit peu pour ici. Non, rasé de près dans ce cas-ci. Donc, une barbe de quelques jours quand même. Donc, allez. Ensuite, on va aller dans le brun. Donc, dans le brun ou dans le marron. Non, dans le brun. Allez.
Donc ça c'est choisi. Et pour la longueur maximale lors des séries éliminatoires, c'est la déchéance la plus totale. Donc homme des cavernes, nous sommes Brent Burns, tout simplement. Donc on m'appelle Chewbacca pendant les séries éliminatoires. Donc allez, on peut garder ça comme barbe. Ensuite on passe maintenant du côté de changer l'équipement. Alors là, ici, encore une fois, ça dépend pour certains, ça dépend pour d'autres. Moi je suis quand même assez fan de... Si par exemple j'ai un casque bois, je vais avoir les gants bois, je vais avoir le bâton, les patins, etc. Donc ça suit toujours pour moi. Donc je vais aller avec le nouveau bois IMS, il me plaît quand même bien. Je vais mettre le protecteur des oreilles. Ensuite du côté de la visière, on va y aller avec une petite bois droite, ça fait toujours plaisir. La teinture, j'ai envie de mettre une teinture sincèrement, déjà que, bon... Est-ce que je vous vole pas une jolie équipe? Non, quand même pas. Je vais attendre un petit peu avec l'équipe avec laquelle que je vais jouer. Ensuite, du côté des épaulières. Alors là, tu m'enlèves les grandes épaulières. J'aime davantage jouer avec des tout petites. Du côté des gants. Alors là, de ce côté, les gants. On a du Vapor 1X, du Supreme Total One ou encore du Nexus. On va attendre encore un peu. On va plutôt aller du côté du bâton. Donc, le bâton, on a le Vapor 1X présentement. J'ai toujours apprécié un peu les bâtons blancs quand même. Je sais pas. C'est t'aimes ou t'aimes pas. Voilà. Ensuite, si je regarde, quoi que les CCM sont beaux aussi. T'as le RBZ Superface ici et t'as le Speedrunner. On va rester dans le vapeur quand même. À la base, je suis un joueur boa quand même. Donc, allez. Ici, pour le type de ruban, on va le garder court. Je suis pas fan d'un petit peu de sucre d'orge, etc. Couleur du ruban du manche. Alors là, par contre, on va mettre immédiatement ma couleur. Ça va être fait. Voilà. Donc, on va quand même pas s'en plaindre. Par contre, je vais peut-être aller un petit peu plus en... Merde. Comme ça. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite. Le ruban de la palette, je vous dirais que je suis quand même assez classique. Je sais pas pour vous, si vous avez un ruban préféré. Ça arrivait quand même du demi. Voilà. On va y aller avec un demi. Un petit demi bleu. Ouais. On est tout esthétique, les gars. Donc, couleur récente. Grosse ambiance. Alors. Ça c'est bon. Ensuite on va pouvoir regarder du côté des culottes cette fois-ci. Donc la longueur, longue, court, on reste... Non, on va dans le long. Ensuite du côté des bas. Donc seulement les petites languettes par en avant. Ça va être GG Wellplay. Ensuite du côté du ruban, moi j'y vais plus, on se calme s'il vous plaît. Donc moi j'y vais plus un petit peu, voilà, comme ceci. Toujours aimé que ça tienne, toujours eu du problème avec mes rubans. Bon après, peut-être de ma faute aussi. Donc ouais, transparent, hein? Transparent, ça me paraît une bonne idée. J'étais pas du genre à prendre du ruban de couleur. Bon vieux gros ruban, quoi, lorsque t'allais à l'aréna. Donc, le ruban des familles, tu pouvais faire n'importe quoi avec ça. Je me rappelle, j'ai amené mon ruban, mon tape de hockey directement à l'école pour faire des bricolages. C'était phénoménal. Donc, alors, du côté des gants, c'était déjà correct avec les vapeurs. Ensuite, il restait les patins. Donc, du côté du patin... On va sans doute rester avec les Vapor 1X que j'apprécie énormément. Même si du côté des patins, mes derniers patins que je m'étais acheté, c'était des Easton quand même. Donc bon, on était dans l'entrée de gamme. Rien d'incroyable. Il y avait surtout les patins de mon frère que je voulais toujours mettre. Mais malheureusement, ces patins étaient un peu trop grands pour moi. Donc qui lui avait des... Waouh, on recule quand même. Est-ce que c'était des Nike? Je pense que c'était des Nike Apollo qui s'appelaient dans le temps. Boar Apollo, je pense également. Donc je pense que tu les avais des deux côtés. Mais en même temps, je pense que je me trompe aussi. Donc, je vais plutôt regarder pour la couleur des lacets. Alors là, ici, on a vraiment possibilité de s'amuser au max. Donc, allez, les lacets bleus. On s'en bat les steaks. Ensuite, zone 2, on va les garder noirs. Le couleur du sport. Moi ici, couleur support, non, on laisse ça blanc, ça va me plaire comme ça. Ensuite, protège patin, je sais pas, c'est sûr c'est une nouvelle mode un peu, les protège patin, j'ai jamais joué avec ça, je sais pas si ça peut te déranger ou quoi que ce soit. Mais moi de mon côté, je n'en mettrai pas, donc on va laisser ça comme ça. Ça va être bien correct. Donc cette fois-ci, on va pouvoir revenir au tout début et continuer. Toujours, rappelez-vous les gars. Cette OPSP de...
de ce Deviens Pro est quand même présenté par Gatorade. Donc voilà, la petite pub. Conserver les couleurs en cas d'échange, oui, certainement, certainement, sauvegarder et continuer. Donc commencez le repêchage d'entrée, vous serez repêché pour pouvoir entrer dans une équipe de la NHL. Choisir une équipe, donc directement, quelle équipe vous repêchera, c'est nous qui décide. Et débuter en CHL, jouer pour devenir le premier choix. Au repêchage, nous on va y aller avec le débutant en CHL, donc on va jouer, dans ce cas-ci, on commence en 95, donc je pense qu'on va jouer deux saisons avec notre équipe junior. Encore là, je sais les gars, je sais, je n'apporte pas de diversité dans mon équipe junior, mais je ne peux pas faire autrement que d'aller choisir l'Océanique de Rimouski. On va essayer de remporter la Coupe Memorial pendant ces deux saisons dans le junior, bref. Il y a moyen de s'amuser quand même. Donc, sélectionnez votre âge de départ pour le mode de Deviens Pro. Donc, je peux décider. Je pourrais dire, écoutez les gars, moi je commence à 17 ans, on joue une saison et ensuite on se fait repêcher. Et voilà, c'est la business. On commence notre carrière professionnelle. Ou encore, je dis, on commence à 16 ans. Et à 16 ans, on a le temps de vraiment se faire deux belles, bonnes saisons complètes avec l'équipe. Je pense que je vais y aller avec 16 ans. Sincèrement, ça me plaît. Donc, ensuite, du côté ici de mes habilités. Donc, on voit un petit peu qu'est-ce que ça donne. Attaquant polyvalent, 57 au total. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond quand même. Hein. On te garde quand même assez sur terre. Ensuite, on fait continuer. Et on va être prêt pour pouvoir débuter notre carrière. Toutefois, juste avant, je voudrais juste voir la façon dont vous jouez votre mode Deviens Pro. Vous pouvez intégrer chaque changement de ligne ou jouer comme les pros. Donc nous, on va se la jouer réel, tout simplement. Ici aussi, donc pénalité, déterminer si simuler... Déterminer si simuler pénalise la progression de ligne en mode Deviens Pro. Donc voilà. Donc... Nous, on va le mettre à non, parce que je compte simuler pour avancer un peu plus rapidement quand même dans les saisons. Donc, je veux pas juste voir mon joueur dans 2 ans être repêché et ensuite dire « Allez les gars, on se tape une autre histoire ». Non. Donc, ça ne nous pénalise pas. Difficulté, on laisse à pro, propriété des joueurs authentiques, style de jeu arcade. Non, pas du tout, on va le remettre en intensif. Blessure, oui. Donc, la caméra, c'est correct. Le rappel, etc., c'est parfait. On laisse le tout ainsi. Et donc, on va pouvoir débuter tout simplement notre carrière. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on va se lancer notre premier match quand même sous mes couleurs de l'Océanique de Rimouski. On va regarder un peu qu'est-ce que ça va faire. Sincèrement, ça devrait être plaisant. C'est bon. Donc, on peut modifier notre joueur. On a notre G-Evolution. Donc, l'expérience qu'on va gagner en jouant. Donc, ça, c'est quand même très, très, très plaisant, je trouve, cette nouvelle façon d'évoluer. Donc, avec notre joueur. Donc, il y a encore un peu ce système d'expérience tout de même, mais ça va partir surtout avec notre expérience de match et de nos entraînements. Et ça, je trouve que c'est vraiment plaisant. Système qui était quand même déjà d'ailleurs là, dans FIFA. Donc, on n'invente pas la roue ici. Mais ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles. J'ai perdu le mot comme le tout début. Vraiment, je m'excuse. J'ai vraiment la tête pleine de plein de choses ces temps-ci. Donc, pensez à faire des vidéos, c'est pas toujours évident. Donc, oui, c'est bon. Donc, de ces nouvelles ajouts qui sont toujours très, très, très appréciés. Donc, allez, je lance le premier match. Vous allez voir, ça va être un petit peu en coupure ici. Ah, avant tout, bienvenue parmi nous. Bienvenue chez les Rimouski Océanique. Ça me fait toujours étrange de dire ça dans cet ordre. J'aime bien mieux dire. Bienvenue chez les chez l'Océanique de Rimouski. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Vos débuts professionnels ne sont plus très loin. Mais voyons d'abord ce que vous allez nous apporter les deux saisons prochaines. Bonne chance. Nous recherchons un attaquant polyvalent et redouté aussi bien près du but adverse que dans son propre camp. Bienvenue à vous. Je voulais juste vous dire ce que j'attends de vous. Je vous ai mis dans la troisième paire, ou plutôt le troisième trio. Quand même, on joue pas en paire, on joue en trio. Donc, je vous ai mis dans le troisième trio d'attaque, mais ne considérez pas ça comme acquis. Rien ne dit que vous garderez cette place. Je vais vous superviser sur 9 matchs et on verra bien. De toute façon, l'alignement bouge tout au long de la saison en fonction de ce qu'on voit. Donc là, vous voyez, côté dyslexie, c'est la confusion la plus totale présentement pour moi. Donc, allez, on va pouvoir jouer ce match contre les Cataractes de Shawinigan qui, sincèrement, ont une très très bonne équipe cette saison. Donc, faut surveiller Daou, sincèrement. S'il y a un joueur à surveiller à l'attaque du côté des Cataractes, c'est bien lui. Ensuite, il y a également un joueur, je crois que c'est...
Est-ce que c'est Samuel Girard? Je pars de loin, j'ai pas fait mes devoirs, là, je vais vraiment de mémoire. La LHMQ, oh là là, c'est de plus en plus difficile. Je peux pas dire que je la suis énormément cette saison. Donc, j'y vais de mémoire, mais Daou et Girard, sincèrement, c'est le feu. C'est le feu avec les cataractes de Shawinigan. Donc, allez, la bonne vieille intro qu'on connaît bien ici dans sa NHL et même également dans NHL 15 quand même. Donc, écoutez les gars, les coupures vont commencer à partir de maintenant et on se revoit tout simplement pendant les moments de jeu et aussi pour la fin de cet épisode. Allez, c'est parti. Allez, premier moment pour moi sur la patinoire. On va essayer de bien jouer quand même. Déjà un revirement de la part de Bolin. Ensuite, il y a Slide qui hésite. Le petit harpon. Une pénalité. C'est GG. Voilà, donc comment gâcher ton expérience. Allez, c'est moi qui ai la rondelle. Allez, un bon tir ici. On va la récupérer. Ah merde! Mon golo! J'ai le doigt enfoncé pour dégager. Allez, rondelle au filet. Merde! J'avais le doigt sur RB. Donc, dans ce moment, c'est t'oublies. Oh non! Il y avait moyen de marquer. Allez, bonne petite passe ici pour Bolin. Quand on va pour Beauchemin, et là, on appuie. Allez! Oh non! Le tir complètement à côté. Oh non, le jeu passe. Il y avait moyen de faire un beau jeu passe ici. Attention, c'est Daou. Daou. Et on va de l'autre côté. Bon tir ici, bon tir frappé. Il y avait une présence devant le filet, j'ai tenté l'occasion. Je vais faire attention également à mon énergie. Tendance à patiner un peu trop à fond. Garde pas. Allez, ici, on saute sur la rondelle. Oh, dommage! Beau chemin. Allez, là, je dégage un petit peu le devant du filet. Dommage. C'est pas grave, on va reconstruire. Oh non, j'ai rien complété du tout. Il y avait tellement un beau jeu de passe là, qui se présentait avec... Oui! Oh non, dommage. Oh, dommage, comment il s'est fait démolir. Bon petit jeu ici. On pousse. Oh, dommage, je voulais vraiment chercher le parti supérieur ici. Encore une fois, j'ai tenté. Peut-être que j'aurais dû faire une passe à Beauchemin qui était devant le filet, mais c'était pas mal comme petit jeu ici. Ça s'est bien développé. Je suis beaucoup au centre quand même. Oui! Beauchemin! 2-0. Ah, le bon petit jeu ici, j'étais concentré, mais ça avait une bonne odeur quand même. François Beauchemin, et en plus j'ai une passe, mon premier point et tout. Le joueur de Shawinigan pour l'empêcher de tirer. J'avais pas d'angle, mais des fois tu te dis on sait jamais quand même. Il y avait un beau jeu ici, en beau chemin. Donne la rondelle. Scott et la Beauvillier. Faut faire attention, Beauvillier, très bon joueur également. Choix de deuxième ronde des Islanders de New York à ma mémoire. On se laisse glisser un peu, on se place en avant du filet. Oh, dommage, le revers qui était beau. Le revers qui était beau. Bellemare était battu. Oh, le beau jeu quand même, le beau jeu, parti de rien du tout. Parti limite d'un revirement. Ici, je me suis dit, allez, je vais peut-être pas foncer non plus, je vais attendre. Oh, le beau jeu quand même. Là, je vais peut-être plus apporter mon soutien. Parfait. Allez, là on part. Le Beaudoin. Et Beaudoin. Oh, Bolin! Si tu te mettais sur ton bon côté, je pense qu'il y avait moyen d'en marquer un. Je me mets dans l'enclave, en fait. Ah, dommage. Est-ce que ça a dévié? Ah, si j'aurais pu la mettre entre les deux jambes. Ah, dommage. Et là, moi, je vais aller changer parce que là, c'est la catastrophe.
Ah, il y avait vraiment un beau jeu là ici, Zappa. Dommage. Oh! What a hit by Caron! Et la Bolonne. Oh! Oh, le gars! Oh, comment je l'ai éclaté! Oh là là! Les gars, en mode popcorn, pouf! GG! Oh là là! Dommage qu'on n'ait pas pu marquer et en profiter davantage. Allez, on simule à la prochaine présence. Ah, ça a fait le match. Ça a fait mon match. Ouh. Ah, dommage. Par contre, ma passe... Oh oui! Oh non, non, non! Oh, bonne mise en échec! Ça joue physique, mon gars. Ça joue physique. Lève la tête. Non! J'aurais pas eu mon but. J'aurais pas eu mon but. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, j'ai récolté mon premier point. Une passe. Deux bonnes mises en échec solides. C'est bon, ça va. En plus, faut dire, j'ai 16 ans, là. J'ai 16 ans. Donc, troisième trio, 16 ans. C'est bon, c'est bon. Je pouvais pas demander mieux, quand même. Ben, si, en fait. Exemple, 3 buts. Mais, bon, c'est pas grave. Donc, multiplicateur ici. Donc, vous n'avez pas atteint votre objectif en jeu d'équipe. Pour obtenir un maximum d'expérience, vous devez atteindre votre objectif dans les 3 catégories. Je connais pas c'est quoi mon objectif par contre, donc j'ai hâte de voir. J'ai perdu du sens par contre. Ah, du côté de la discipline. Ouais, à cause du 2 minutes que j'ai eu. Donc ça va, ça va, ça va. Ensuite, un C+. C'est bon, c'est bon. Ok, d'accord, donc je la vois. Ah, il manquait tellement pas grand chose en fait pour le jeu d'équipe. Une autre bonne passe, je crois, pour un but. Et puis ça aurait été GG également. On va aller voir la feuille des statistiques. Ça m'intrigue. Rimouski stat. Donc, du côté des meilleurs pointeurs et marqueurs, etc. Donc, beau chemin. Un but, une passe quand même pour beau chemin. C'est bon, ça. Loiseau, Baudouin, Bolin, Clapperton, Nesbulin, Jolly. Donc, moi, je suis ici. Donc, je termine avec une passe, un point, plus un, 8 tirs. Donc, j'ai vraiment voulu tirer beaucoup. Malheureusement, j'ai réussi au tir 0%. J'ai jamais touché la cible, j'ai quand même touché la cible, faut pas déconner. 2 minutes de pénalité, 2 minutes en échec. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc nous sommes de retour les gars ici sur l'accueil. Premier match fait avec au moins un objectif atteint, j'ai envie de dire, gagner le match. Donc c'est toujours un petit peu ça l'important, donc de gagner le match. Donc ensuite j'ai quand même bien performé, c'était pas exceptionnel, mais je suis quand même allé chercher un point à mon premier match. Et en plus deux bonnes mises en échec, ça sincèrement ça valait de l'or. Donc ça c'était très très bien. Et donc non sincèrement j'espère que ça vous a plu comme épisode. Et également pour le format, donc je l'ai pas fait encore, mais je devrais avoir effectué là, certaines coupures à certains moments. Le match qui devrait pas avoir duré des masses, donc c'est pas énorme du côté du match, il n'y a pas eu énormément d'action. Des petits moments clés comme ça en première, deuxième, troisième période. Et donc, voilà, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos idées et de vos suggestions. Ça va me faire un plaisir de pouvoir vous lire et de vous écouter pour pouvoir améliorer ce format et ce contenu sur ce mode Deviens Pro. Et donc, il me reste plus qu'à vous dire, bah les gars, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde!